Récemment, la chefferie d'Abobo Baoulé a servi de cadre pour le lancement d'un programme qui vise à renforcer les comportements parentaux et à consolider les valeurs entre les générations. Un programme qui aspire à bâtir une société plus équitable et harmonieuse à Abidjan. Et c'est une initiative du réseau des femmes journalistes et professionnelles de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Diane Kablankan et Ezekiel Siri. Le réseau des femmes journalistes professionnelles de Côte d'Ivoire, REFJPCI, en collaboration avec Dedoukva Academy, ont lancé une initiative qui vise à promouvoir les dialogues intergénérationnels dans le cadre de leur programme de formation intitulé « Comment renforcer les bons comportements et consolider les ponts de la transmission des valeurs entre les générations ». Déroulé en juillet, ce programme va s'étendre jusqu'au mois de décembre 2024 et va couvrir plusieurs quartiers d'Abidjan, dont Abobo Baoulé, Sangon, Anoumabo, Blokos, pour ne citer que ceux-là. Il s'agit pour nous, après Boaké, Kohogo, Daloa, Bongwanou, Bonois, Benjerville, Daoko et bien d'autres villes, Kohogo, de prolonger donc la mise en œuvre de cette initiative à partir de cette étape, qui est l'étape 3 de cette initiative, qui nous permet donc de commencer par cette ville et ce village particulier qui est Abobo Baoulé, autour donc d'une rencontre entre les chefs traditionnels, ici conduite par le chef Nandjoui Akré, qui est l'honorable chef donc, de Abobo Baoulé, et ses notables, les femmes, les jeunes, les personnes de troisième âge. Et justement pour autour de sujets divers et variés, renforcer l'esprit de solidarité, l'esprit de cohésion en célébrant justement le dialogue. Sur le thème dialogue intergénérationnel, en vue d'animer, échanger avec les différentes couches de la population. Nous avons été formés hier, le thème portait sur innover pour dialoguer. Voilà. Et j'avoue que pendant cette formation, j'ai beaucoup appris. Cette rencontre vient non seulement informer, mais aussi engager les communautés dans un processus de réflexion et d'action collective pour une société plus harmonieuse et respectueuse des différentes générations.